Des dents blanches sans aller chez le dentiste, sans aller chez un blanchisseur. Bonjour, bonjour à toi et bienvenue sur Biou Confidence. Comme chaque dimanche, aujourd'hui, je vais te présenter une astuce beauté. Donc, ici sur Biou Confidence, le vendredi, je partage avec toi des filles, des situations, des expériences de tierces personnes. Et ensemble, nous leur proposons des idées de solutions. Le vendredi passé, je n'ai pas pu publier à temps à cause des problèmes de connexion. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de coupures d'électricité. Mais j'ai publié samedi. Donc, si tu n'as pas encore regardé la vidéo de samedi, je t'invite, s'il te plaît, à la regarder. Je vais mettre le lien là. N'hésite pas à liker, à partager et surtout, interagir. Commente, je réponds à tous les commentaires. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, je viens avec une astuce beauté. Vous savez, la beauté ne se résume pas, c'est vrai, seulement au physique. Mais le physique, c'est ce qu'on voit, la première, c'est ce qu'on remarque à première vue. Genre, quand on te voit, c'est d'abord ton physique qu'on voit. Donc, c'est important de se sentir bien dans sa peau. Et quand on veut bien se sentir dans sa peau, on prend soin de soi. Et ce n'est pas seulement l'apparence, genre le teint, ce n'est pas seulement, je sais pas, le bon make-up, non. Il y a aussi la santé buccale, ça fait également partie des atouts physiques, la santé buccale. Est-ce que toi, tu as une bonne santé buccale? Est-ce que tes dents sont blanches? Quand je dis blanche, ça ne veut pas dire hyper blanche à étincelante, mais est-ce que ça n'a pas une... ça ne donne pas l'impression d'être jaune sale. Parce que en fonction du type de carnation, les dents sont de moins en moins blanches. Plus tu es clair, moins tes dents paraissent blanches. C'est ça en fait. Plus tu es clair, moins tes dents paraissent blanches. Mais il y a les astuces comme celle que je vais vous présenter aujourd'hui pour blanchir naturellement les dents. Se fait blanchir les dents chez un dentiste et tout, ça coûte de l'argent. Nous, on n'a pas les dos. On n'a pas les dos sur Biou Confidence, mais on veut jar. On veut glow. Donc, je vais te présenter ce que moi, je fais depuis à peine 3 jours. Et je t'assure que tu remarques le résultat aussitôt l'astuce essayée. Donc, dès que tu auras fini d'essayer, toi-même, tu vas remarquer le résultat. Donc, n'hésitez pas à filmer vos avant et vos après pour bien regarder la différence. Bon, l'astuce est simple. Nous aurons juste besoin de 2 ingrédients, à savoir le curcuma. Je dis bien le curcuma. Ne partez pas prendre le curry. Le curcuma et l'huile de coco. En passant, je vends l'huile de coco. Je commercialise l'huile de coco que j'extrais moi-même. Donc, c'est du pur. Ce n'est pas du mélanger à quoi que ce soit. 100 ml à 2500 au lieu de 60 à 2500 comme on vend sur le marché. Moi, je vends 100 à 2500. Donc, si tu as besoin, si tu es au Cameroun et que tu as besoin d'huile de coco, n'hésite pas à me contacter. Je fais le litre à 20 000 francs. Et je dis, c'est du pur. Il n'y a pas de mélange. Bon, voilà nos 2 ingrédients. Nous aurons besoin, comme je disais, de curcuma. Ne confondez pas le curcuma et le curry, s'il vous plaît. Laissez-moi ouvrir. Donc, c'est là. Nous aurons besoin de ça. Curcuma et huile de coco. Voilà nos 2 ingrédients, pas plus, pas moins. Et vous vous armez d'une brosse à dents. Ça, c'est une brosse à dents que moi, j'ai décidé de garder comme ça pour mes brossages curcumaillés. Parce que c'est hyper salissant. Si à chaque fois que vous devriez faire votre brossage, vous changez de brosse à dents, vous allez énormément dépenser. Et vous savez, sur Biou, on fait tout pour que tu dépenses le moins possible. D'ailleurs, même, je suis en train de tester certains savons là qui ne coûtent pas cher. Et si ça fonctionne bien, c'est vrai que j'observe déjà quelques changements. Je vais venir vous les présenter. Mes abonnés aiment ce qui est bien et pas cher. Donc, on va veiller à ce que vous ayez accès à cela. Bon, ce que nous allons faire, ce que nous allons prendre là, nous allons prendre 1 cuillère à café de curcuma. C'est même beaucoup, hein. Parce que je ne vois pas quel genre de dents on a, juste qu'on va prendre, donc disons comme ça. Vous ne remplissez pas la cuillère, ne la remplissez pas.
Donc, une cuillère à café là. Ayez toujours votre bol. Je vous ai dit, c'est important d'avoir un bol à part dans lequel vous faites vos concoctions. Ne prenez pas tout et n'importe quoi et vous faites vos mélanges avec et tout, non. J'ai pris une cuillère à café de curcuma. Et là, je vais mettre l'huile. L'huile de coco. J'enlève le tube là parce que si je dois vaporiser, ça va me prendre tellement de temps. Donc, je vais enlever et mesurer également à peu près une cuillère à café d'huile de coco. Ça peut être au moins, hein, vous devez faire en sorte que le mélange soit pâteux. Donc, en fonction de la quantité de curcuma que vous avez pris, essayez de rendre le mélange pâteux, un peu comme une pâte dentifrice. Donc, il ne faut pas, parce que j'ai dit une cuillère à café équivalent, et vous mettez seulement, non. Le mélange doit être pâteux. Voilà. Le mélange doit être pâteux. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, c'est la pâte là. Voilà. Ce que vous allez faire sans tarder directement. Vous voyez les dents, comment c'est blanche. Regardez les dents. Regardez. C'est une astuce que j'ai découvert il y a à peine une semaine. Et il y a de cela 3 jours, j'ai décidé de la tester. Et franchement, c'est pas la blague, ça fonctionne. À l'instant T. Donc, à peine quand tu auras fini de tester, toi-même, tu vas remarquer la différence. Donc, n'hésite pas à filmer ton avant et après. Filme ton avant et après pour pouvoir vraiment voir la différence. Bon, ce que tu vas faire, c'est que tu mets sur ta brosse à dents et faites vraiment attention parce que c'est hyper salissant. Hyper salissant. Quand j'ai vu l'astuce, je me suis dit, mais pourquoi un truc jaune va rendre les dents blanches? J'étais sceptique, mais ça fonctionne. Voilà, vous brossez comme ça et vous attendez, vous laissez reposer pendant 2 minutes. 2 minutes, après vous rincez bien, vous brossez maintenant avec votre pâte normale et vous allez me dire le résultat. Rendez-vous dans 2 minutes. Donc, nous voici 2 minutes après, je me suis déjà brossé les dents, je les ai déjà rincées et vraiment... Le résultat, il est impeccable. Et je t'invite vraiment à tester cette astuce. N'hésite pas, ça fonctionne, ça marche instantanément. En 2 minutes, tu vas observer une nette différence. Vraiment, 2 minutes. Ne confonds surtout pas le curcuma au curry. Les deux sont jaunes, mais le curcuma a son odeur particulière. Donc vraiment, n'hésite pas à tester l'astuce. Fais ton avant et après, si possible. Envoie-moi ça via mon Gmail, bioconfidence@gmail.com. Et surtout, viens dire merci après, parce que ça fonctionne. C'est pas la blague, ça fonctionne. Donc, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner, à commenter. Est-ce que tu fais également cette astuce? Parce que c'est pas comme si c'est moi qui ai découvert. J'ai vu sur le net, j'ai essayé et vraiment ça fonctionne. Curcuma plus huile de coco et vous aurez ce résultat. Des dents blanches sans aller chez le dentiste, sans aller chez un blanchisseur. J'ai été très heureuse de te retrouver ce dimanche comme tous les dimanches. On se voit vendredi pour une vidéo confidence et dimanche pour une autre vidéo astuce. Et de là, porte-toi bien. Ciao, ciao.